Téléspectateurs des Congo Live Télévision, de partout où vous nous recevez, vous êtes une fois de plus au bon endroit. C'est ici où nous allons encore une fois vous faire part de toutes ces informations. La situation sécuritaire dans l'est du pays, une fois de plus, au menu de ces décryptages. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir, surtout avec la suite de cette trêve humanitaire qui n'est toujours pas respectée. Pourquoi ? Parce que au-delà de tous ces accrochages qu'on a signalés, qu'on a enregistrés la semaine passée, il y a des choses qui vont intervenir. Donc, ça s'annonce très compliqué, alors des parts et d'autres. Surtout, pourquoi ? Parce que, mesdames et messieurs, il y a des révélations qui nous sont parvenues. Les rebelles M23, qui sont toujours soutenus par les Rwandais, continuent de se renforcer et ils s'organisent aussi pour des éventuelles attaques, alors que la trêve est toujours respecté par Kinshasa. Le gouvernement congolais respecte toujours la dite trêve. L'armée ne se bat pas. L'armée est toujours là en train d'observer. Alors, comme vous pouvez justement le constater, c'est aussi une trêve, il faut le préciser, négociée dans les sens formels, mais nous connaissons tous que c'était une imposition. Les États-Unis nous ont imposé une trêve. Et c'était au profit d'abord des ennemis, c'est ce qu'on a constaté. Parce qu'on n'a pas assisté les déplacés, on a juste imposé une trêve, et voilà aujourd'hui ce qui s'est fait, et les États-Unis observent tout simplement. Alors, le vendredi dernier, vers 20h, heure de Goma, heure de l'est du pays, 20h55, on tendait déjà vers 21h, 8 camions de marque Kamaz, remplis des militaires. Ils avaient aussi des munitions, voilà, et justement la nourriture. Enfin, toute une logistique, bien sûr, qu'avaient tous ces Kamaz, 8 camions de marque Kamaz, ainsi que des blindés. Parmi ces deux blindés, il y avait un blindé qu'on avait pris entre les mains de la SADC, hein, que les militaires de la SADC avaient abandonné. C'était vers Kimoka, près de Sake. Et un autre blindé parmi les deux qu'on avait récupéré avec antenne à Kichanga pour se diriger sur les lignes de Kilolirwe à Mushaki. Voilà là où la direction commence, que les militaires M23, d'abord ils viennent d'être renforcés par les militaires rwandais qui viennent fraîchement de voter au Rwanda. Alors, ils sont de retour pour continuer avec leur sale besogne. Ce sont des révélations qui nous sont parvenues avec nos sources, bien sûr, sur place. On parle de 8 camions Kamaz et des blindés. Parmi ces deux blindés, il y a un blindé qu'on avait récupéré entre les mains des militaires de la SADC vers Kimoka. Rappelez-vous de ces accrochages. Et le M23 avait pris un blindé des militaires de la SADC et ils prennent quelle direction Kilolirwe, précisément Mushaki. C'est là où ils veulent encore une fois renforcer leur position, prendre même, bouger un tout petit peu la résistance des Wazalendo, des FRDC, pour progresser. C'est ça, mesdames et messieurs, la grande information pour ce week-end. Alors, selon toujours les mêmes sources, le M23 RDF pourrait avancer jusqu'à prendre Nzulo. À la limite, voilà, avec Masisi et Goma. Parce que Nzulo, c'est justement Masisi et Goma. Parce que c'est vrai, Nzulo est compté parmi, c'est une localité, un village du territoire de Masisi, mais c'est tout près de la ville de, tout près, je vous assure, tout près de la ville de Goma. Avant d'arriver à Sake, vous arrivez d'abord à Nzulo. Alors, c'est quoi l'idée? Parce qu'aujourd'hui, au-delà du fait d'occuper, d'avoir les contrôles Rubaya. Aujourd'hui, pour faire traverser tous ces minerais qu'ils exploitent à Rubaya, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de voies routières aussi qui peuvent les rassurer de traverser sans beaucoup de difficultés. Parce qu'aujourd'hui, la route est toujours impraticable, mais ils essaient toujours de traverser. Alors voilà pourquoi ils veulent contrôler Nzulo. Parce qu'avec Nzulo, ils auront un contrôle aussi large sur les eaux du lac Kivu. Et là, facilement, ils peuvent faire passer de minerais sur les lacs jusqu'au Rwanda. C'est ça l'idée aujourd'hui que les M23 RDF sont en train de développer. Alors, déjà avec Nzulo, comme c'est à la limite de Masisi et Goma, comme je viens de le dire, sinon les contrôles du rond-point de Sake, ça aussi c'est visé. Le rond-point de Sake, ils veulent aussi
récupérer le contrôle de ces ronds-points pour faciliter les passages libres et facilités. Est facile, pardon, des minerais dans les transports, dont les transports restent toujours très très compliqués. Les transports de ces minerais restent toujours compliqués pour Rubaya et je viens de vous les démontrer. Parce qu'avec l'Oliro et Mushaki, ce sont des routes avec beaucoup, des routes en boue, voilà comme on peut les dire, et c'est très difficile pour d'y passer, voire même des collines, les escalader, c'est pas aussi très facile. Mesdames et messieurs, ce sont des alertes. Et il faut prendre tout ça en considération. Parce qu'ils attendaient à ce que les élections prennent fin au Rwanda pour venir encore une fois renforcer toutes leurs positions. Les Wazalendo avaient compris tout ça. Et c'est pour cela que vous avez vu les Wazalendo continuer toujours à mener les offensives. C'était une façon toujours de montrer que c'est du sérieux. On nous a trompés avec des trêves. Des trêves qui n'ont rien à voir avec les vraies missions. On nous a parlé des trêves humanitaires. Mais concrètement, ce n'est pas ce qui a été observé. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes encore une fois trompés par les mêmes gens. Alors, mesdames et messieurs, toujours avec toutes ces informations, parce que ça relève encore une fois d'une certaine naïveté de notre côté. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi comment les FRDC vont rester en train de nous parler d'une trêve, au lieu d'agir, au lieu même de faire bouger aussi les lignes de l'ennemi. On ne les fait pas. Les Wazalendo, je le répète encore une fois, et avaient compris déjà ces jets de l'ennemi. Et voilà, les élections prennent feu au Rwanda, même avant que les élections ne commencent au Rwanda, les M23 attaquaient les positions. Et là, ce sont maintenant les M23 locaux. Parce que c'est vrai, parmi les M23, au-delà des troupes rwandaises, il y a certains éléments qui, des Congolais sur des Sirkois, qui sont restés là-bas. Et voilà pourquoi ils avaient un tout petit peu. Ils voulaient faire bouger les lignes. Et c'est dans ce contexte-là que les Wazalendo ont essayé, ont récupéré 5 localités dans le territoire de Masisi. Des localités qui, jadis, étaient sous contrôle des rebelles du M23-RDF. Alors, avec tout ça, cette confusion qui règne autour de ça, les FRDC n'arrivent toujours pas à bien se positionner, à prendre aussi position dans tout ça. Mais bien, elles restent tout simplement là en train d'observer ce qu'on appelle la trêve humanitaire. Là, nous ne sommes pas d'accord. Nous fustigeons justement cette attitude des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, dans un autre contexte, c'est la diplomatie qui est aussi en train de jouer. Tantôt, on nous parle d'un réchauffement qui pourra intervenir en ce qui concerne le processus de Luanda. Au même moment, c'est Kinshasa qui demande maintenant des comptes à l'Ouganda. Moi, je ne sais pas si c'est la meilleure procédure. Mais on peut aussi essayer un peu de porter des analyses par rapport à cette attitude. On va y arriver. Sur le terrain, vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, que ça reste très, très compliqué. Pourquoi très compliqué? Parce que l'ennemi vient de se renforcer en logistique. Et je vous assure même, en termes d'effectifs, il vient de se renforcer. Et il vous montre même l'envie, son intention. Parce que je vous ai toujours dit, ce n'est pas une guerre beaucoup plus qui vise un régime, qui veut renverser un régime. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est visé, c'est toute la République démocratique du Congo en entièreté qui est visée. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, le fait d'abord d'occuper, déjà de se retrouver dans 4 territoires, ça doit nous concerner tous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent exploiter les ressources minières de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec Rubaya, ils n'arrivent pas à exploiter la voie routière pour acheminer tout ce qu'ils exploitent comme minerais à Rubaya. Voilà pourquoi ils veulent aussi passer par la voie lacustre, les lacs. C'est ce qu'ils veulent faire, tout en ayant aussi un contrôle beaucoup plus précis sur la cité de Sake. Voilà pourquoi les ronds-points au niveau de Sake, les grands ronds-points, est aussi visé. Et après, la direction qu'ils veulent aussi prendre, c'est Nzulo. Nzulo, c'est déjà... C'est justement un village, mais qui vous donne accès facile au lac. Et au travers de Nzulo, on peut aller jusqu'en province du Sud Kivu. C'est très stratégique, mesdames et messieurs. C'est vrai, c'est dans le territoire de Masisi toujours, Nzulo. Mais avant d'arriver à ça, que vous arrivez d'abord en Nzulo. Voilà pourquoi nous vous disons, c'est plus proche de Goma. Plus proche de Goma. C'est dans moins de 20 km, je crois. Et là, vous arrivez directement là où ils sont en train de vouloir nous imposer tout ça. Donc, il faut faire très attention. Il faut aussi prendre tout ça au sérieux.
C'est ici l'occasion pour nous de demander au FARDC de ne plus rester dans ce qu'ils appellent respect des cessez-les-faits. C'est incompréhensible de parler toujours de ces cessez-les-faits au moment où les choses sont en train de dégénérer de notre côté. Donc, il faut faire très, très attention avec ce qui se passe aujourd'hui. Mesdames et messieurs, il y a un autre point très important, comme vous pouvez le constater, et c'est la diplomatie. Je vous ai parlé aussi de cette affaire avec l'Ouganda. Ça concerne bien sûr l'appui que l'Ouganda accorde, donne plutôt à ses rebelles. Les experts des Nations Unies l'ont démontré dans les rapports. Au-delà de cette démonstration magistrale des experts des Nations Unies, il y a aussi des couches sociales qu'il avait déjà démontrées. Mais le gouvernement congolais n'avait pas accepté toutes ces réalités. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous revenons encore une fois pour vous en dire un peu plus. Et là, c'est bien sûr l'Ouganda qui parle de cette... l'ambassadeur de l'Ouganda à Kinshasa qui a été justement... on peut parler d'une convocation où, disons, il s'est entretenu aussi, pour être un tout petit peu courtois, il s'est entretenu avec... la ministre congolaise des Affaires étrangères. Alors, pour lui, il dit, j'ai été convoqué par madame la vice-ministre. On a passé en revue l'état de nos relations bilatérales. Elle voulait aussi s'imprégner de ce qui se passe, justement, ce qui s'est passé aussi après les derniers développements. En tant que pays, si jamais il y a une question ou un problème, nous pouvons toujours nous mettre ensemble, en discuter et puis les résoudre. Ça, ce sont les dires du ministre, disons, ambassadeur, comme on peut le constater, de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Les chargés voilà, des affaires de la République de l'Ouganda en République démocratique du Congo, c'était à l'issue des échanges vendredi dernier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec Gracia Yamba Kazadi, qui est aussi vice-ministre des Affaires étrangères. Vice-ministre, s'il vous plaît, pour en apportant un petit correctif. Alors, déjà là, c'est une façon, avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de légèreté, que Kinshasa est en train de traiter cette affaire avec l'Ouganda. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Lorsque l'Ouganda, les Rwanda, avaient commencé cette agression, je vous assure, les Rwanda, il n'y avait pas, on n'avait pas convoqué même l'ambassadeur du Rwanda pour que les choses soient clarifiées. On avait tout simplement reconnu l'implication du Rwanda dans cette agression. Mais pourquoi aujourd'hui, au lieu que nous puissions aussi traiter de la même manière le Rwanda, de la même manière l'Ouganda, comme nous le faisons avec le Rwanda, nous sommes en train de tourner à rond. Nous n'arrivons toujours pas à les faire avec beaucoup d'efficacité. C'est ce que nous n'arrivons toujours pas à comprendre jusque-là. Alors, déjà, l'Ouganda est pointé du doigt par les experts. Tout le monde a parlé de l'Ouganda. Kinshasa hésite toujours de citer l'Ouganda. Et voilà pourquoi on convoque les chargés des affaires de l'Ouganda en République démocratique du Congo pour qu'ils nous donnent des explications. Et voilà c'est à quoi nous avons encore une fois. C'est ce qu'on a obtenu comme résultat. Donc, c'est très complexe, mesdames et messieurs. C'est très compliqué. La façon que notre diplomatie est en train de traiter cette affaire. Je ne sais pas comment avec l'Ouganda, parce que les chargés des affaires de l'Ouganda lui dit comment nous sommes en train de mener les opérations conjointes avec la République démocratique du Congo, comment expliquer au même moment nous serons en train d'appuyer les rebelles. Et pourtant, les faits sur terrain prouvent que l'Ouganda appuie aussi les M23. La présence des militaires ougandais, si pas les militaires, même leur logistique, est visible sur toutes les lignes de front. Mais notre gouvernement, il connaît tout ça, mais il ne veut pas toujours citer l'Ouganda. Il ne veut pas accuser l'Ouganda directement. Voilà là où nous n'arrivons toujours pas à être d'accord, nous n'arrivons toujours pas à comprendre ce que Kinshasa est en train de faire, ce que Kinshasa est en train d'accorder comme aussi suite dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et avec tout ça, à un certain moment, ça peut décourager les efforts que les uns et les autres sont en train de manifester. Parce que je l'ai toujours dit, ce n'est pas à dire qu'il y a un camp qui doit faire mieux, un autre doit juste là et rester là en train d'observer. Ce n'est pas ça. Mais tous les camps doivent jouer les rôles. Toutes les parties doivent jouer les rôles comme il faut. Mais le gouvernement, au lieu de faire aussi, au lieu de jouer bien son rôle, il est en train toujours de tâtonner et ça ne passe pas bien. Ça ne passe pas justement. Voilà pourquoi aujourd'hui les FARDC sont
dans un statu quo aujourd'hui. C'est une trêve humanitaire, nous respectons la trêve. Mais depuis quand vous avez vu une action humanitaire, depuis que cette trêve est décrétée, est-ce qu'il y a une action humanitaire qui est déjà menée? Aucune action. Alors, c'est à nous de prendre, de tirer toutes les conséquences, voilà, et qu'on continue avec les offensives. À moins que le gouvernement ne nous dise pas clairement ce qu'il gagne en respectant cette trêve. Peut-être qu'il y a quelque chose que le gouvernement est en train de gagner. Parce qu'il y a des voix qui disent, non, voyez, avec notre armée, ça, nous pouvons aussi en profiter pour nous organiser. Alors, peut-être qu'il y a une organisation qui est en train d'être faite, mais nous, on ne connaît pas. Peut-être. Mais ces Ouazalendo nous ont montré que c'est possible de faire des offensives contre ces rebelles. Les Ouazalendo nous ont prouvé cela. Ils ont attaqué à un certain moment, et des fois, parce qu'ils n'ont pas aussi tout le nécessaire pour attaquer, déloger l'ennemi et se constituer en force d'occupation. Ils n'ont pas tous ces effectifs nécessaires. Voilà pourquoi les FARDC devraient les appuyer pour arriver aussi à tenir longtemps dans toutes ces positions aujourd'hui qui sont occupées par les ennemis. Mais si on ne les fait pas, voilà là où ça nous amène, là où ça nous pousse encore une fois à rester dans une position aujourd'hui qui n'est pas aussi, qu'on ne doit pas encourager. Alors donc ça relève d'une diplomatie aussi qui n'est pas très offensive, une diplomatie qui n'est pas aussi très forte. Vous-même, vous êtes en train de le constater avec ces actes. Et voilà, ça a des répercussions sur d'autres fronts. Les fronts militaires aujourd'hui respectent, c'est comme si les fronts diplomatiques a pris déjà les décisions sur les fronts militaires. Parce que tout ce qui est décidé sur le plan diplomatique, tout ce qui est pris comme décision sur le plan diplomatique, a toujours des conséquences dans tout ce que nous voyons aujourd'hui sur les plans militaires. Malheureusement, les rebelles, les agresseurs, et continuent toujours à mener les opérations, à se renforcer. Après les élections au Rwanda, vous-même, vous venez de peut-être toutes ces révélations, ils se renforcent en logistique, ils se renforcent aussi avec leurs effectifs. Et déjà là, c'est un plan qui est déjà bien tracé, ils ont déjà des itinéraires. C'est vrai, ils ne vont pas, ils peuvent, oui, se concentrer beaucoup plus dans les territoires des Lubero, mais déjà, avec ce qu'ils ont fait, ils savent déjà que toutes les attentions des uns des autres sont beaucoup plus fixées vers les territoires des Lubero. Voilà pourquoi ils veulent encore une fois se renforcer à Masisi et continuer toujours à mener les différentes opérations. Donc, il faut prendre tout ça en compte avec beaucoup de courage aussi pour à aussi mettre en place des stratégies beaucoup plus efficaces, enfin, d'obtenir des bons résultats par ce qu'on a vu récemment. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. C'est à nous de rester toujours très mobilisés. Mais si les efforts, voilà, je répète encore une fois, si de l'autre côté, c'est là qu'ils doivent aussi conduire toutes ces actions, surtout les gouvernants, n'arrivent pas à bien jouer leur rôle. Ça sera toujours très compliqué. Vous-même, vous voyez avec la diplomatie ce qui se passe. L'Ouganda, que nous traitons avec beaucoup de légèreté, et pourtant avec le Rwanda, on avait reconnu l'implication du Rwanda, sans pour autant passer par toutes ces démarches. Tantôt, c'est le chargé des affaires qui est convoqué. Tantôt, on contacte même mon autre ambassadeur pour avoir des éclaircissements sur l'implication de l'Ouganda. Et pourtant, les rapports des experts des Nations Unies éclairent quant à ces. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Alors, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez toujours donner aussi vos points de vue, surtout avec tout ce qui se passe, l'évolution de tous ces événements. C'est toujours en commentant cette vidéo, en partageant tout en faisant des j'aime. C'est aussi très important pour que d'autres personnes puissent suivre comment les choses sont en train d'évoluer. Surtout toutes ces révélations, c'est à prendre avec beaucoup de considération, avec beaucoup de sérieux, parce que ce sont nos sources qui nous donnent toujours toutes ces informations. Et vous pouvez toujours nous contacter au plus 243 9 98 72 43 14. Plus 243 9 98 72 43 14. Congo Live, toujours à votre compagnie. Et la semaine prochaine, ça sera avec toutes ces nouvelles, parce que l'actualité sur la situation sécuritaire dans l'est du pays nous intéresse au plus haut point. Bonjour, chers compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 juillet 2024. Voilà
Nous sommes en train de vous montrer les résultats des éléments du FPP-AP sous commandement du général-major Kasera Kabido. L'appareil que vous voyez ici, c'est l'appareil drone que nous venons de récupérer sur la ligne de front. Et c'est pour les M23. Aujourd'hui, nous étions dans une opération de grande envergure. Et voilà le résultat que vous venez de trouver ici. C'est la preuve insuffisante que la mission régalienne que s'est fixée les éléments du FPP par AP est en train d'atteindre ses objectifs. Et c'est pour dire que nous allons poursuivre avec les opérations jusqu'à ce que la République puisse connaître que les enfants du milieu ont le souci de leur pays et ils sont en train de travailler avec toute certitude et avec toute moralité pour connaître qui est l'ennemi de la République. Ça, c'est le résultat. Et nous avons d'autres appareils que nous avons récupérés, mais ça, c'est au moins le résultat, c'est au moins le premier élément que nous venons de vous montrer. Dans les heures qui suivent, nous allons vous montrer même les armes et même les munitions que nous avons récupérées auprès de l'ennemi. Donc, soyez sûr et certain que le général Kasere Kakabido est déterminé à mettre en tout état de cause en déroute l'ennemi de la République. Donc, nous appelons les Congolais à soutenir les VDP partout où ils sont pour que le résultat pareil puisse continuer à se faire voir. Aujourd'hui, les résultats que nous voyons ici, c'est le fruit des bravoures des éléments du FPP-AP que vous venez de voir. Ils sont déterminés, vous les voyez, et ils sont déterminés toujours à mettre en déroute l'ennemi qui est aujourd'hui en débandade. Et donc, soyez sûr que nous allons travailler pour la paix en République démocratique du Congo. Nous vous remercions parce que nous savons que vous serez derrière nous et vous serez derrière les actions du général-major Kasereka Kabido. Merci beaucoup.